Dans l'épisode précédent! Laisse-moi encore profiter de cette once. Ah oui d'accord, bon bah... Générique. Ah, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paper Mario à la Porte MDR et c'est parti, oui. On va se calmer, on se calme tout de suite. Alors, avant toute chose, bien, j'adore me flageller et me faire du mal. Vas-y la carte des défis, vas-y, explose l'écran et fous-moi le sam. Paf, c'est l'heure de la carte des défis. À chaque épisode, j'impose un défi à Lunatic pour pimenter son aventure. Et lors de l'épisode précédent, il n'a pas respecté son défi du loser. Alors, c'est parti pour la sentence, il va être deux fois plus dur. Bam. Team de losers. L'impopularité et la nullité de Mario se sont étendues à ses camarades. Vous raterez désormais toutes vos actions. Adieu la gloire, bonjour la douleur. Vous ne pouvez que vous protéger des assauts ennemis. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser. Alors, ok, alors, carrément. Alors maintenant, ça s'attaque même plus à moi, ça s'attaque aussi à mes amis. Bah super, merci, hein, les gars. Et bah encore une fois, il va falloir que je change mes bases. C'est parti pour le changement de base. Putain, c'était tellement long que je me suis endormi. Alors, oui, bonjour. Alors, si je me trompe pas, on doit aller à Perduvostok. Perduvostok, j'espère qu'on va les retrouver. Non, oui. Alors, le topo, c'est que là, du coup, je suis un véritable loser. J'ai même pas le droit de prendre l'initiative ou quoi. En gros, je me fais bolosser gratuitement et je ne sais plus jouer aux jeux vidéo. Mais je suis pas con. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous, on a des fleurs. Bah, les fleurs, ça fait rien. Luigi, mon frère, il est dans le public. Luigi. Je sais même pas comment je fais ça avec ma voix. Là, on va s'amuser. C'est regarder, incroyable. Ah, je ne fais plus que ça parce que je suis obligé de rater mes attaques. Ah mais attends, est-ce que ça a marché, Gob Gob? Oh non, ça marche pas. Aïe. Eh mais j'ai pas vu, j'ai plus de vie. Ah mais je suis arrivé sans vie, moi, comme ça. Comment on va faire? Je sais plus rien. Ah, y'a mine the merde. Ah mais j'ai pas le droit, je tiens ça mais ça sert à rien. Voilà. Merci beaucoup. J'ai le droit au pouvoir étoile. Mais le gros problème des pouvoirs étoiles, c'est que je vais quasiment plus gagner de pouvoir étoile du coup. Donc il va falloir que j'utilise avec parcimonie. Allez, crève s'il te plaît. Mais il est pas mort. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Étant donné que je suis une victime et un loser aguerri, j'ai quand même le droit de me protéger, mais c'est tout quoi. Le contre non. Bon, allez, petit Yoshi, je suis désolé, mais tu sers à que dalle. On va prendre Gumélix. J'aurais dû me soigner avant en fait. Aïe aïe aïe. Ouais, non, bah je suis gelé, frère. Eh, mais je vais crever. Là, je peux. Ah, et puis là, en plus, je peux même pas venir le taper. Comment j'ai fait? Oh là là. Après une minute d'hésitation, le stress. On va pas se prendre la tête. Là, c'est un cas d'urgence. Je ne sais pas comment survivre. Donc, je vais faire coup de séisme. Il n'est pas mort en fait. Alors, je crois que j'ai mangé les spaghettis pour pas crever. Hein. Tant pis, merci à la vendeuse de nouilles, hein, parce qu'on t'oubliera jamais. En même temps, ça m'a coûté 50 pièces, je risque pas de l'oublier. Ah non, j'ai raté. Bon, au moins je peux attaquer. Voilà. C'est ultra frustrant de devoir rater son attaque. Hein. Ça m'a foutu le seum comme pas permis. Hein. Je suis pas bien. Je vais me soigner. Hein. Transition. On va en profiter pour aller voir nos copains les dépressifs, voilà. C'est les plus proches, hein, c'est les plus proches qu'on avait de Perduvostok, donc allons-y. Ah bonjour, cet établissement est dédié à la détente du corps et de l'esprit. Ah, vous êtes venu frère déjà? Eh, vas-y, je te fais 10 pièces. Allez, nique ta race. Ce n'est pas très ad-friendly ce que vous dites, monsieur. Je ne vais pas être monétisé sur YouTube, arrêtez. Ah ouais, je t'ai bien dormi, frère. Allez, moi je t'empêche. Eh, j'avoue, la petite pêche qui fait plaisir. Ah... Ah, j'avais oublié que c'était autant de la merde. Bon, c'est un petit peu ma carte Joker pour être en vie, parce que là, on va pas se mentir que... là, j'ai 30 partout, mais dans un instant, je vais plus rien avoir, hein. On va pas se mentir. Transition. Pourquoi on est sur Perduvostok? Déjà, j'ai oublié. Putain, il est revenu. Oh non, mais je fais tout ça pour rien. Eh bah oui, bah ils sont trois en plus. Bah super. Est-ce que j'ai une super attaque qui, même si je la rate, pourrait faire mal à tout le monde? Franchement, j'ai peur que ça fasse rien, mais... Allez, Mario, s'il te plaît. Et putain. On va s'emmerder. Oh non. Et je suis même pas foutu de me protéger. Oh, non mais arrêtez. Cette honte, je vais perdre tout mon public en plus. Aïe, 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 aïe. Je me suis placé la barre beaucoup trop haute pour Zephyr. Est-ce que vous avez vu à quel point je suis dans la merde? Je suis obligé de me cacher derrière Goomélie comme un gros lâche. Oh le niveau! Oh le niveau kiwi! Ah oui! Ah le niveau de la joie, de la bonne humeur. Ah oui, le niveau du cul, je m'en fous, je vais me donner des PC. Je sais pas si je veux rester en vie. Mario est devenu une star! C'était bien le bon épisode pour que je devienne une star, ouais, c'est ça! Salaud! Il y aura plus de spectateurs, mon cul, ouais! Attends, il y a un truc là sur le côté là. Un soleil! Ah! Ah, t'as plaisir! Ok. Ah, salaud! Ah! Oh putain, mais non, il y a des. Bon, allez, pour la science, mais merde quoi! Alors, question, le coup fort fait-il plus mal même si on le rate? Oh, Yves! Oui. Voilà! Oui, coup fort c'est 1 PF et je regagne 2 PF par tour, je crois qu'on va tourner au coup fort. Je vais prendre mon copain. Aïe, en bas. Quoi? Oh, salaud! Tiens, piercing, attaque les ennemis au sol, ils n'ont pas de protection. Bah, dis-moi que ça va quand même faire mal, même si je le rate. Oh, Yves! Oui. Je le regrette, mais c'est bon. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Yves? Mais c'est dégueulasse! Et Mario qui est déjà en PLS. Est-ce que la glace pourrait se briser éventuellement? Ça m'aidera à pas crever, en fait. Ah non, je vais le rendre. Putain, non! On n'a rien vu. Coupe-le que tu prends un coup gratos, ça t'apprendra, voilà. Là, j'ai vraiment pas fait exprès, hein, c'est pas ma faute. Allez, meurs. Il est meilleur. Je vais tester Bombard parce qu'il est fort quand même. Il y a moyen qu'il m'aide. Blesse les ennemis qui touchent Bombard. Oh, va tester. Oh non. Arrêtez. Ah bah génial. Ça fait 2 dégâts. Wouh. Je vais tester Bombard parce qu'il est fort quand même. Voilà. Allez, calme-le. Oh oui, le champignon, viens. Champignon, tu peux restaurer la vie. Vous voulez le champignon? Ah mais il est nul. Oh non, il est nul. Hein? Ah mais oui, il est rebou. C'est vrai qu'il est rebou et confus en même temps. Bon alors là, on est dans la merde. Oh là, non mais c'est vraiment l'équipe de bras cassés la ultime. Hein. Ah puis là, c'était pas un level up qui va me sauver du coup. Hein. Oh non, oh mais en plus il y en a plein. Je vais checker mes badges vite fait. Multigo on s'en fout. Marteau séisme du coup on s'en bat les steaks. Ce serait bien un esquive de gars quand même. Je vais quand même garder Patouche la mouche. Ça va être long de ouf. Ouais, c'est toujours ça le prix hein. Non frère, en vrai Viviane elle doit être utile de ouf. Oh putain. Oh lolo lolo. Oh lolo. Oh lolo lolo. Oh, 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 je suis dans la merde. Ah, prenez le secours. Oh non. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. Oh non, je me suis trompé. Ah, ça fait comme 5. Oh putain, elle est géniale. Mais Viviane est vraiment géniale. C'est pour ça que j'aime Viviane. C'est pour ça que Viviane s'est baillée. Et on remercie le prof de nous avoir donné coup fort au début de l'aventure parce que là, sauvetage de la vie. Hein. Non. Je voulais me tromper de bouton et j'ai appuyé sur le bon. Ça veut dire que si j'avais essayé d'appuyer sur le bon, je me serais trompé quand même. Et ça, c'est beau. Alors, je comptais soigner tout le monde, mais du coup, Viviane, je vais pas te soigner, ça t'apprendra. Ah bah non, mais c'est pas moi, c'est Viviane. J'ai encore glissé, c'est rien. Ouais, c'est bon, un PV, ouais. Au bout d'un moment, vous pouvez me laisser me tromper un petit peu dans le genre de défi. Hein. Viviane, alors, comment te dire que tu vas mourir dans un instant? Je passe serein, mais en même temps, Viviane, c'est le meilleur personnage, là, pour battre les ennemis. Je vais refaire un top form. Ça fait plaisir. Bon candidat. Voilà, Yves. Ah oui, c'est gagné. Il y en a combien? Vous êtes... Mais how many... Ouais, oh, ok. Merci beaucoup. Oh putain, sa maman, sa maman. Oh putain, putain, sa maman. Ok. Alors déjà toi, tu vas te calmer. Enculé. Ok, Viviane, utilise tes pouvoirs magiques de magicienne, s'il te plaît. On dit un énorme merci à tous les ennemis qui nous ont lâché des éclairs lors des épisodes précédents. Donc Mario, bah écoute, c'est parti. Alors certains diront oui, mais attends Mario est censé tout rater, alors pourquoi ne rate-t-il pas ses attaques de super étoile? On va dire que, en étant RP, les attaques étoiles c'est un petit peu des espèces de miracles hein, qui nous sauvent la vie dans cette situation qui est absolument horrible et invivable. On peut véritablement parler de miracle Valérie. Hein. Exactement. Bonjour, oui, ça tourne, c'est bien, bravo. Ah, c'est comme ça que vous introduisez votre ville, les gars. Alors voilà, Perduvostok. Où il est, ce canon qui envoie sur la lune? Non. Chut. Voilà. Nous devrions questionner les villageois. Montre-moi ta moustache et je te dirai qui tu es. C'est ma spécialité, Ouida. Les moustaches foisonnantes comme la tienne sont signes d'obstination et d'égoïsme. Alors, non, ne t'inquiète pas, je suis le seul à voir ça. T'es sûr qu'il fallait vraiment parler aux gens, là, parce que il est chelou, quand même. Vous êtes au village de Bob-ombs. Ici, il n'y a rien du tout. J'ai des doutes, là. Bonjour, voyageur. C'est ta première visite ici? Canon de Perduvostok? Non, je fais chez ça, y a rien. La part semble verrouillée. Ok, bah super accueillant l'endroit. Eh, toi t'es sympa, toi je sais que t'es sympa. C'est rare la neige. Ici tout est blanc toute l'année, là. Moi j'aime bien quand la neige brille sous le soleil levant. J'ai envie de mourir. J'ai toujours pas envie de vous parler, vous trois. Hein. Mais après, si ça se trouve, c'est elles qui sont sympas, donc c'est ton jamais. On est des cadettes, on est fans de voyage, on est de là. On est venu skier et patiner à Perduvostok, mais il n'y a rien de rien ici. Il fait froid, il fait très froid. Et je vous avais bien dit qu'il allait finir une mort. Est-ce que finalement on n'était pas mieux quand on se faisait casser la gueule par des piranhas et tout ça, non? Vous voyez, nous on construit des bonhommes de neige, eux ils construisent des bob-ombs de neige. Finalement c'est logique. Par contre, faut m'expliquer comment ils font, hein. Parce que les bob-ombs, on est bien d'accord que bon, ça a des pieds, et c'est tout, hein. Il fait un bonbon de neige. Moi, j'aimerais bien devenir aussi grand que lui. Mais le problème, c'est qu'il fonde. Bonbon de neige, neige de Mars, marsupial, ras-le-bol de la neige. C'était le village des cons qui m'emmerdait, qui me casse les doigts. Ah voilà, lui, il a une couleur différente, c'est-à-dire qu'il est sympa. Et quoi? Qu'est-ce qui vous amène à Perduvostok? Quoi? Un canon? Vous ne trouverez pas de canon ici à Perduvostok. C'est une blague? On nous a affirmé qu'il y avait un canon ici. Madame, quel toupet! Vous mettez mes paroles en doute! Bah en fait, c'est-à-dire que là, c'est un canon, ça, quoi, non? Tu peux me dire qu'il n'y a pas de canon, mais s'il y a un canon à 2 mètres de toi, c'est un petit peu pas crédible, quoi. Aucune idée, j'ai pas de raison de savoir où est Big Boom, le canon de Perduvostok. Il y a toujours un connard pour te dire que t'as raison, ça c'est bien, bravo, bravo. Il y a toujours un con, quelque part. Et il y a toujours un soleil qui est très bien caché aussi, bah oui, d'accord. J'ai étrange qu'il le pouvoir. Mais ça vous le savez déjà, n'est-ce pas? Toi, t'as des... Tu vas encore me dire de la merde. Ok, je regarde le ciel la nuit, je pense à l'univers. Les existants, on ne le voit pas. Ouais, bah c'est toi que j'aimerais pas voir. Et la maison est vide. Il y avait un morceau d'étoile, certes, mais... Bon, bah c'était sympa d'aller à Perduvostok et de ne rien trouver. Allez, salut à tous. Bon, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir et à le partager. Tiens, mais y'a Fuckboy Man. À la mise dans l'auberge, je m'en fiche dehors. Arrête, on dit jamais. Faire fondre tout le snow de mon caboyard. Alors, non, mais crève, hein. Y'a pas de soucis, hein. Les fuckboys dans ton genre, on veut bien leur mort. Bonjour, vous êtes sympathique, vous êtes... Viviane, tu peux revenir... Non, mais viens, n'aie pas peur, ne sois pas... Voilà, c'est bien. Un fantôme qui est coincé dans une porte, quand même, au bout d'un moment, essaye d'être un peu plus crédible que ça, frère. Bonjour. Cet établissement est dédié à la détente du corps et de l'esprit. Nous proposons des séjours à 15 pièces. Ah, vous possédez des bons repos, souhaitez-vous les utiliser? Oh bah si c'est gratuit en plus, allons-y, faisons-nous plaisir, Viviane. J'espère qu'ils ont une spécialité du coin aussi, telle qu'une pêche qui rend un PC. Haha, génial. N'hésitez pas à goûter la spécialité de notre village concoctée par Marité. On va dire que la spécialité de votre village, c'est un tot qui l'a fait. En même temps, c'est vrai que faire la cuisine avec les pieds, c'est compliqué. Non, je comprends finalement. L'élection de l'espace de Marité, grand 5 PC, c'est toujours mieux que 1. Ok, bon, c'est un champignon, quoi, merci, hein. La meuf, elle a foutu un champignon dans une barre, super. Bon, toi, tu vas me dire où il est le canon, hein. Bah, moi, mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas de canon dans ce village, hein. Je vais te parler toute l'après-midi. Mais putain, mais fous-moi la paix, merde. Et je te dis qu'il n'y a pas de canon. Ah, bah, mais merde, il n'y a pas de canon, je vais exploser si tu continues. Attends. Et ça, c'est pas un des tiens, ça? Tu vas pas lui parler, hein, Bobbart? Quoi? Mais je voulais qu'il n'y ait pas de canon dans ce village. Oui, je suis le chef du village, hein? Alors, pourquoi tu mens? Moi, je suis jamais ici, j'ai eu le canon de mes propres yeux. Tu es un bobombe, toi, alors tu comprendras. Nous ne pouvons pas parler du canon à nul autre bobombe. Nous ne voulons pas qu'il soit utilisé pour faire la guerre. Oui, je comprends, mais nous devons à tout prix l'utiliser pour aller sur la lune. Sinon, ce monde sera rayé des cartes. Comment rayer des cartes, tu dis? Ah bah c'est très ennuyeux, oui, alors bah là, mais il se trouve que le canon est inutilisable, hein, franchement, là c'est pas de chance, hein. Bah, pour utiliser ce canon, il faut l'autorisation d'Orboom, le permis bébé. Bah c'est lui qui le premier s'en est servi pour expédier les gens où il le voulait. Mais dès qu'il s'est enrichi, il s'en est désintéressé, il a cessé de travailler le con. Alors, bah le général Blanc, qui avait dédié sa vie au canon, ça l'a traumatisé, il a disparu en emportant la clé du canon. Oui, je vois, oui, voilà un bébé. Cueil, hein. Mario, partons à la recherche de ces lolos. Revenez me voir quand vous les aurez trouvés. Ouais, super, faut trouver un bob-omb. Alors apparemment il est blanc déjà, hein, ça c'était... Attends un petit peu mon frère, un bob-omb blanc. En se replongeant dans ses souvenirs, Mario eut soudain une vision. Ce bobon blanc à qui il n'avait pas du tout parlé en fait, on l'a juste vu comme ça en arrière-plan. Mais bon, apparemment il s'en souvient. Bah écoute, c'est bien, bravo! Bien Mario, voilà! Allez, on va essayer de pas crever. Hop là, hop là, hop... Et petit, tant pis pour moi. Toujours pas le droit de le faire bien, hein. Je change les partenaires, je prends Viviane. Hop là! Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis peut-être un loser, mais je me laisse pas abattre. Je vais essayer de devenir quelqu'un de bien, ok? Très fort. Ça le tue même pas, c'est dégueulasse. Ah bah, je sais pas pourquoi il s'est pris un truc, mais ça me fait plutôt plaisir. Voilà. Hop là. Allez, rate. Bon, t'as raté 1 sur 2, déjà, je t'en veux pas. Putain, et les cœurs joyeux et tout ça, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Battre ce bout atomique était une bonne idée. Je crois que ça le tue, moi. Oh, mais c'est reparti, super. Ah, avec un peu de chance, il va encore rater l'un des deux. Heureusement que ça m'atteint pas, heureusement que je suis au-dessus de tout ça. Ah yes! Oh yes! La chance est de l'autre côté. Enfin, une bonne nouvelle, bordel! Non, parce que là, j'étais un petit peu... pas bien, quoi, on va pas se mentir. Ah mais non! Oui, bon, j'ai mal à la gorge. Oh, 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 non, non, mais non. Putain, ils sont combien? What? How many are these? Ça veut rien dire ce que je dis. Ok, je vais tester une attaque là. On avait vu coup d'étoile, une attaque qui frappe tous les ennemis. Bah, on va voir ce que ça fait, voilà. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Attention, c'est mort. Allez, dis-moi que ça fait mal. Hein? Attends, ça tue? Direct, comme ça? Ah mais ça sauve des vies, ça. J'aimerais bien... Ah mais non, mais je voulais prendre l'argent. Mais maman, t'avais dit qu'on ferait des knackis. Alors toi, on va t'éliminer direct. Voilà, bim. Mais ça suffit pas, mais t'as combien de vies au bout d'un moment? Hop là. Au revoir, Yves. On va survivre. Eh, franchement, grâce au badge, là, on survit bien quand même, hein. Je suis pas peu fier d'avoir trouvé une façon de contrer cet enfer. Essayez le défi chez vous, faites toute l'aventure comme ça, vous allez voir si on s'amuse bien. Et tout ça pour ne même pas avoir le pognon à la fin, super, hein, merci. On va être tranquille. Ah bah non, en fait, d'accord. Non, mais au bout d'un moment, stop, hein. Hop là. Oh, oh non. Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est de savoir qu'il va encore falloir que je me le retape derrière. Merde, j'ai pas fait coup fort, quel con. Non, mais t'avais pas le droit de faire ça. Toi non plus. Et Viviane, ah bah oui, ça peut... Ah, quelqu'un fait tomber sa fourchette. Oh la chance que ça m'est pas gelé. Je change pour Bombard, parce qu'on sait que Bombard, lorsqu'il explose, boum, ça enlève toute la fumée. Bon, c'est toujours ça. Non mais, eh oh, j'ai déjà pas beaucoup de public, il est en train de se barrer depuis le début de l'aventure. Est-ce que vous pourriez me le laisser? On va arriver. Non, mais tu pouvais mourir aussi. Ah oui, 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 monsieur. Oh oui, non, mais là, la chance est là, hein. Ah oui, non, mais totalement, au cul, bordel de nouilles, hein. Ah, mais ça, je vous dis oui, tous les jours. Transition. Et voilà, on va pouvoir voir tous nos anciens amis dont j'ai absolument oublié les voix, et donc je vais mal les doubler, et c'est ça qu'on aime. Grâce à toi, le village a retrouvé la paix, c'est super, mais pas pour le commerce. Super, ouais. Je ne pense qu'à l'argent, je suis un enculé. Yes. Ouais, allez, ouais, salut. Moi, je vois juste ça, là-bas, je vais le prendre, hein, je vais le péter maintenant que je peux. On va le trouver, le Bob-ombs blanc, il était là-bas, il me semble. Et nickel, il est là, voilà, on l'a trouvé. Et non, il n'y est plus, putain, pourquoi il est pas là? Ah oui, c'est vrai, c'est le mec qui fantasme à donf sur Peach. Plus de Carvo Croc, alors? Mais tu sais, il paraît que Carvo Croc avait des tonnes de copains. Des copains beaucoup plus costauds qu'elle. T'as peur, hein? Ah, mais non, c'est juste des racontards. Et sinon, t'as jamais vu un Bob-ombs, toi, frère? Mais je me souviens qu'il était là, je me souviens qu'il était... Frère, je suis sûr que le gamin, il sait. En ce moment, j'arrive pas à décoller le nez de Paper Mario. Il est vraiment génial, ce jeu. En fait, je viens de finir. J'aurais bien joué à Paper Luigi. Oh, Nintendo lui-même l'avait annoncé. Le saint Paper Luigi est toujours pas là. Ah, bah j'ai tellement réagi fort que ça fait bugger l'image. Putain, mais ce gamin, c'est moi. Oh non, mais gamin, mais... Alors, ok, tu m'as pas dit ce que je voulais, mais tu m'as dit autre chose qui me fait bien plaisir, et rien que pour ça, je te respecte. Pourtant, n'est-ce pas, ce serait bien qu'il pleuve un tout petit peu, mais bon... Super. Est-ce que vous... Ah, je sais déjà, c'est la merde comme ça. Qui ça? Le Général Blanc? Ah, il était encore là il y a peu de temps, mais il a une soudaine envie de voyage. Ah, je crois qu'il a parlé d'aller sur une île déserte ou quelque chose dans le genre. Tu sens qu'on va s'emmerder, Bobbart? Moi aussi, hein, ouais. Transition. Non, je me suis trompé. Oh, ici, ils ont... Ah, oui. Alors, Marco, oui, on va aller revoir notre ami Marco. Marco doit se souvenir. Où qu'il est, Comard? Bah, Comard? Bah, Général Blanc? Ouais, il était là il y a pas longtemps, ouais. Ouais, mais il est parti quelque part, il a pas eu de catch. Ah, mais il nous casse les couilles, Général Blanc, là, toujours, oh. Transition! Tiens, pète-moi ça, c'est quoi ça? Non, mais bon, bah, de faire l'effort au bout d'un moment. Bravo! Ok, on dirait un pédophile, hein. On est d'accord, c'est un pédophile, on n'y va pas. Ok, j'y vais. Oh, t'es tombé de luchette, hein, tu peux ajuster tes niveaux, tranquille. Est-ce que je vais t'ajuster tes niveaux sur tes amis? Je peux le faire contre 39 pièces. Alors, les niveaux de quels amis tu veux que j'ajuste? Comment ça, niveau de Mario? Quoi? Augmenter les PC de 5. Bah, je veux bien augmenter mes PB. Ah, d'accord, je dois me retirer des trucs pour... Oh, ah bah non, alors du coup. À bientôt, hein. Ouais, le plus tard sera le mieux après, hein. Bon, on se fait chier, mais on découvre des trucs, c'est toujours ça, hein. Si ça se trouve, ça sert à ça, ce genre de moment chiant dans l'aventure, hein. C'est pour te dire, oh bah, je vais en profiter pour faire des trucs à côté, pour revoir des vieux potes, pour ramasser des vieux morceaux d'étoiles et tout. Genre là, par exemple, je pourrais aller chez Merlon et augmenter le niveau de Bombard, et le niveau de Cumulia. Bah, je vais le faire. Ouais, j'ai dit. Allez, Bragada! Allez, c'est bon! Bragada! Ouais, allez, c'est bon, hein! Et voilà, super, allez, salut! Et maintenant, je peux augmenter celui de Cumulia, du coup... Ah, j'ai pas assez de soleil. Oh non, mais alors là, franchement, c'est pas de chance. Bonjour Luigi, ça va Luigi? Allez. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver Bob-ombs blanc là, qui casse les couilles à tout le monde. Si ça se trouve, ce con là, il s'est envoyé sur la lune et on est bloqué à tout jamais. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, bien sûr. Moi, tenez, là, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un ami qui a disparu sur Jupiter. Voilà, il s'est dit, oh là, ouais, je vais sur Jupiter. Et là, je suis juste en train de meubler parce que bah, je suis dans un aéronef. Je m'emmerde extrêmement, vraiment. La quantité d'emmerdement présente est absolument immense. Et il me suffisait d'appuyer sur A pour passer la séquence, du coup je suis un petit peu leg d'avoir parlé dans le vide. Ah s'il te plaît, dépêche-toi Mario, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu descends, ouais, tu descends, c'est bien. C'est long, hein, c'est long, hein. Là, ouais, là j'ai fait aucun cut, juste pour que vous vous rendiez compte à quel point ça fait péter un câble ce genre de séquence. Bon alors, on se fait plaisir, on va voir les matchs de catch maintenant, t'étais dans le train avant. Ah, quand je suis embêté, personne ne veut répondre à ma requête. Bah à la limite tu pourrais peut-être me la dire ta requête, mais tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Ah oui, eh oh. Bah voilà, le soleil pour Cumulia il est là. Zblu. Général Blanc, ouais je vois un bonbon blanc ce soir. Ouais ouais. Ouais avant il venait souvent ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je crois qu'il a dit qu'il y avait attention d'être dans un grand arbre. Ouais je sais, ça te fout le seum hein, que je dise ça. Ouais ah bah je suis désolé mais c'est pas... C'est Nintendo hein qui a dit qu'il fallait que tu retournes voir les ponies, c'est pas ma faute. Et puis en plus j'ai encore changé de voix par rapport à la dernière fois parce que tu te souviens jamais la voix que j'ai au bout d'un moment, c'est ta faute hein. Bobbart. Tue-moi, s'il te plaît. Bon, j'espère qu'il va pas falloir parler à trop de bonnie, hein. Le général Blanc, oui, un bonbon tout blanc avec une super moustache. Oh, bah seulement, il est plus ici, je l'ai entendu dire qu'il allait à Pelopta. Bah écoute, je suis plutôt content de t'avoir vu parce que, bah, on en a vu qu'un et en plus, tu m'as dit direct ce qu'il fallait. Eh, franchement, bon plan. Transit intestinal. Ah bon, il a 40 pèves. Ah, mais c'est pour ça qu'il était nul tout à l'heure en fait, c'est parce que il était pas au niveau max, j'avais oublié ça. Ah voilà, 3 c'est déjà plus sympa. Allez, au revoir. Eh, en plus, ça refait quand même gagner de l'expérience, hein. Et si ça se trouve, je vais quand même avoir un level up. En même temps, c'est pas comme si j'avais farmé dans le jeu, donc c'est un petit peu normal que je gagne beaucoup d'expérience. Attends, eh, toi, est-ce que tu joues à Paper Luigi, toi? Mon petit frère ne sort pas de la maison. Je devrais lui proposer une soirée avec lui. Oui, je vais lui proposer une partie de foot. Eh ben, moi aussi, je joue au foot. Tu fais pas allusion à Paper Luigi, mais tu fais une allusion à Didier Drogba, et ça me fait plaisir, ça aussi. Oui. Les bébés tots sont sympas, c'est dommage que quand ils grandissent, ils deviennent si insupportables. On va bien finir par le trouver, cet enfoiré, hein. Au bout d'un an, là, je vois même pas où est-ce qu'il pourrait s'être caché l'autre. Je sais où tu te caches! Mais tu es Mario, notre héros? Oh, vive Mario! Oh, ça doit faire plaisir d'entendre ça, non? Ouais, c'est bien les dépressifs, bravo. Ah, mais ils sont pas bien, eux, hein. On a beau les avoir sauvés, leur village est toujours aussi pourri. Bah, qui va là? Bah, c'est le héros du village. C'est bien toi, Mario? Bah, je me méfie, hein, depuis l'histoire des cochons, et tu sais... Je n'oublierai jamais ce que toi et tes amis avaient fait pour nous. Bah moi je t'oublierai. Hein. Je n'ai pas la moindre race. Encore quoi? Oh, tu es tombé amoureux de ces villages ou quoi? Non, c'est pas ça, mais alors tu serais amoureux de moi? Oh, je te préviens. Pardon d'être direct, hein, mais tu n'es pas mon genre. Oh bah vraiment, je suis déçu. Oh bah là dis donc... Quoi, le général Blanc? Ouais, je le connais, un bonbon blanc, hein. Bon, en même temps, c'est écrit dans son nom, mais il était encore là il y a peu, ouais. Où a-t-il pu aller? Oh, je sais pas, il avait l'air fatigué, un peu comme nous tous, tu vois. Il est allé se coucher, bien sûr. On n'a pas été à Piccadilly Hills. Mais il serait pas allé à Piccadilly Hills pour se reposer. On va aller vérifier au cas où, parce que bon, je vais pas faire un aller-retour chez lui pour rien, non plus, hein. J'ai demandé au professeur Goomstein, si ça se trouve, professeur Goomstein, il va nous aider. Parce que quitte à s'emmerder, professeur Goomstein, il est pas loin, donc on y va. Ah, vous progressez! Moi, je poursuis mes recherches sur la porte des sous-sols. Ah, en fait, merci d'être passé me voir, c'est vrai que j'étais pas censé apparaître dans cet épisode. Eh, mais par contre, je te sers à rien, oui, désolé. Ou alors, il allait se reposer au cimetière, il est mort, ouais. Transition. Ah, ça fait plaisir d'être revenu ici encore une fois, bonjour. Ouais, ta gueule. Eh, on va demander à Pingro, hein. Pingro, c'est un détective, si elle se trouve, il sait. J'y crois pas une seule seconde, hein. Comment va, mon cher Luigi? Passe bien le bonjour à ton frère de ma part. Il est con, quand même. Il est con, Pingro, mais on l'aime bien, parce qu'il est con, justement. Vous savez, on a tous un ami un peu con. Bonjour, mademoiselle, y'a personne, il est pas venu se reposer dans un hôtel 75 étoiles? Non. Bon, bah, je vois plus qu'une seule solution, hein. S'il est allé se reposer, c'est qu'il est tout simplement rentré chez lui. Et je vous jure, la vie de ma mère, que si on le retrouve pas dans son village paumé... Et que si on le retrouve dans son village paumé, j'ai toutes les raisons de m'énerver aussi, parce que ça veut quand même dire que j'ai fait le tour de l'univers en l'espace de 2 secondes, pour finalement le retrouver à l'endroit où je le cherchais initialement. C'est un petit peu ironique, n'est-ce pas? C'est pas très gentil. Transition. Je vais foncer ma race en espérant pas prendre d'ennemis. Yes! Bravo, bien joué! Viviane n'est pas avec moi, ça fait pas très plaisir. Bonjour. Allez. Ah oui, bien. Ça c'est très bien si vous... Ah oui, ils vont pas faire leur souffle glacé de merde, et ça fait plaisir. Toi je te tue. Boum. Ouais. Ah bah non. Ça va aller, on va pas mourir, je vous le promets. Protège-toi vite. Ah mais ça sert à rien, on l'a déjà vu. Aïe, oh non, oh non. Oh putain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Aïe. Ah non, ne tuez pas Viviane. Oh putain de merde. Oh bonne mère. Viviane, écoute, on a un bon stock de foudre, on va pas se priver. Après, on va pas se mentir qu'on est pas très bien pour le combat prochain. Mais ça, voilà, on va pas le dire. Aïe, 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 mais oh non, Viviane. Ah, mais je peux pas te voir déprimer comme ça, c'est pas bien. Hop, on va esquiver un petit peu les combats, on va essayer de survivre avec Viviane. Ça me ferait chier de crever. Hop, 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 tu m'en as pas. Les petits Vincent. Ok, je suis dans la merde. Ok, on sait ce qu'on va faire. Viviane, j'espère que je vais réussir à te soigner suffisamment pour que tu survives. Est-ce que vous êtes prêts à gagner un maximum de vie? Attention, c'est parti, yes! Ah ouais. Ah, j'ai plus de points d'étoile, mais je suis content. Ok, feu magique, est-ce que ça va marcher? Dis-moi que ça va au moins leur faire mal. Yves! Oui. Voilà! Oh, ça a fait de la merde, mais ça les a brûlés quand même! C'est super bon plan, ça! Et je leur fais tous mal avec ma foudre, et ça, c'est beau. Oh yes! Oh, la bonne idée! Comme quoi, des fois, je suis pas totalement con. J'espère que Mario va survivre à ces attaques. Je vais survivre. Je ne doute pas une seule seconde de cela. J'ai très très peur de mourir là. Je suis pas bien. Aidez-moi, à l'aide. Allez, il y en a deux qui meurent. Yes. C'est bien ce que je pensais. Je pensais être plutôt sécure au niveau des PV qu'ils avaient. Ok, on se bouge. Petit coup caché. Ah non, mais laissez tomber. Moi, je suis le roi de la débrouille. Hein. Quand je suis dans la merde, je me laisse pas abattre. Je donne tout ce que j'ai. Oh yes. Oh bien joué l'artiste. Bravo le veau. GG Mario. Alors par contre, il y en a un deuxième qui va nous casser les couilles. Ah, il y en a un, hop. C'est bon. Ouh, ça faillit être le combat de trop. Bon, alors maintenant, la vie de ma mère, le Général Blanc, s'il est pas là, je pète un câble. Il est où? Où qu'il est? Oh, les villageois, si on hâte de voir renaître le canon, fais vite. Alors, si par contre, on pouvait se dépêcher, parce que là, cette voix me fait extrêmement mal. Dis-moi que... Alors là, franchement, ce serait IRL, hein. La vie de ma mère, je cherche le moyen le plus dégueulasse de le réveiller. Je pense que je fous le feu à sa baraque. La vie de ma mère, tu vas te réveiller. Il semble endormi. Le réveiller... Oui. Il a pas l'air de vouloir se réveiller, et c'est encore... Il ne semble pas du tout vouloir se réveiller. Réveille-toi. Pas la moindre réaction. Toujours aucun signe de réveil. Je vais te jouer. Je vais vous enculer, vous morts, vous avez... Il se fout de ma gueule. Ah. Mais putain. Je vais péter un câble. Ok. C'est vrai que ça fait mal au cœur de réveiller quelqu'un qui dort. Mais ce mec a le sommeil le plus lourd de l'univers. Ok, je vais partir en dépression, hein. On part sur une dépression, allez. Vous savez quoi? Il veut dormir, bah moi aussi je vais dormir. Ouais, allez. J'en ai marre. Je vais dormir moi aussi. Ah, quel bâtard! Et oui, l'épisode est fini. J'ai actuellement envie de mourir, mais ne vous en faites pas, dès le prochain épisode, ça ira bien mieux. Si ça t'a plu, oublie pas de liker et de balancer un petit com, ça fait toujours plaisir à lire, et puis tu sais quoi, allez, viens me suivre sur Twitter, frère, @passage004. Ah, les fins d'épisode, c'est plus que c'était.